Et bonjour à tous les Breakers, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi pour une première vidéo cette semaine sur la chaîne TGS Rockstar Club et on va commencer à parler des éléments qui vont arriver probablement en octobre, novembre pendant les événements Halloween car ce véhicule que vous voyez juste devant aura la possibilité de récupérer un motif via un événement lié à des fantômes. Oui, à des fantômes qui vont être mis en place pendant un event à Halloween. On en reparlera plus en détail dès demain. Et donc, grâce à cet event, on pourra gagner un motif pour ce véhicule. Ce véhicule, c'est quoi? C'est en premier temps une référence à la Ecto 1 de Ghostbusters, en fait, hein, qui est donc une Cadillac Miller Meteor Futura de 1959. Un véhicule extrêmement long. Pour vous faire une comparaison, pour faire la longueur du Titan juste là, il faut deux météores pour que ça fasse la longueur du Titan. Donc voilà, c'est pour vous dire la longueur du machin. C'est extrêmement long, ça fait très véhicule, genre un peu vaisseau spatial. Voilà, c'est très très grand, très long. Assez... Ouais, non, c'est pas... Ouais, si, c'est large quand même un petit peu, hein. C'est quand même assez large. Hein. Et donc, cette voiture, c'est la Albany Brigham. Donc, cette voiture, vous pourrez l'acheter sur souterne-san-andreas-superauto.com prochainement sur GTA Online à 1 499 000 GTA dollars. Voilà. Donc comme je vous ai dit, il y aura un motif à gagner via les events d'Halloween. Donc il n'est pas impossible que tout simplement ce véhicule soit mis en place entre octobre et novembre en même temps que les événements d'Halloween. Pour plus de détails pour l'événement d'Halloween, comme je vous ai dit aussi, rendez-vous demain midi pour vous, je vous présenterai un autre event, et puis encore un autre event mercredi. Bref, donc là on va se concentrer sur cette Albany. Et bah écoutez, alors moi c'est pas du tout mon style, mais je sais que son arrivée est quand même plutôt appréciée par les fans de la saga Ghostbusters, hein, tout simplement. Après, moi je la trouve pas ouf, franchement. Alors autant la ligne est plutôt sympa, mais je trouve que le toit est vraiment pas beau, en fait, voilà, c'est... Surtout l'avant qui fait extrêmement bizarre, j'ai l'impression que c'est... Ouais, que c'est... Il y a un truc qui va pas, quoi. Je sais pas. Ça fait extrêmement bizarre, ça fait très bulle... œuf. Ça fait vaisseau spatial, limite, hein, un petit peu à l'ancienne. Comme on pouvait voir, genre, dans les zinzins de l'espace, peut-être, un truc comme ça. Ouais, non, franchement, c'est pas mon délire, mais bon, pourquoi pas. Voilà, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui vont la récupérer, hein, justement, pour faire l'easter egg. Vous verrez, à Ghostbusters, avec le motif qu'on pourra récupérer pendant Halloween... Mais écoutez, pourquoi pas, il en faut pour tout le monde, comme on dit. Allez, on va aller voir, et j'aurais dû faire ça sur les autres vidéos déjà, on va aller voir côté vieille porte ouverte. Donc comme d'habitude, avec le moteur qui est plutôt bien détaillé, la batterie plutôt bien détaillée aussi, le radiateur, les tuyaux d'échappement et les tubes d'échappement. Et puis voilà, le reste après, on voit bien le filtre à air, mais après le reste on voit bien que c'est une image, hein. Par exemple l'alternateur, on voit clairement que c'est une image, donc voilà, dommage qu'ils aient pas plus détaillé, mais bon, hein, de toute façon on peut pas leur en demander plus. Je pense qu'on en aura davantage qu'après l'arrivée de GTA 6, avec un gap niveau visuel au niveau des textures. Après, l'intérieur, bah, est très spacieux, hein, pour le coup, c'est le cas de le dire, hein. Voilà, deux grands sièges à l'avant, deux grands sièges à l'arrière. Pour le coup, là, il y a de la place. Il y a de quoi mettre les jambes. C'est un tableau de bord qui fait vraiment limite la moitié d'une table du salon de ta salle à manger. Voilà. Franchement, c'est énorme. Les portes sont grandes aussi, hein. Regardez-moi la taille des portes. Elles sont vachement grandes. Et bon, bah après, voilà, hein, c'est un intérieur qui est... dans le style des voitures des années 1960, en fait, hein, donc ça correspond plutôt bien. Après, j'ai jamais vu l'intérieur IRL du véhicule, donc je pourrais pas vous dire si ça y ressemble ou non. Voilà, donc l'arrière, après, bah, c'est pareil, hein. On va pas batailler 20 ans. Alors, ensuite, le coffre, avec une poignée à l'arrière. Alors, est-ce qu'il pouvait baisser la vitre de l'arrière, peut-être? Ouais, bah, je pense bien. Ou alors, c'était une poignée pour ouvrir à l'arrière, peut-être. Mais ça ressemble plus à une poignée pour les lèvres-vitres que pour ouvrir. Ouais, c'est bizarre. Je sais pas s'il y en a qui connaissent bien le véhicule, vous me direz un petit peu en commentaire. Bon, bah très grand coffre, hein. Limite on pourrait y mettre
énormément de choses, comme par exemple un cercueil. Ça pourrait très très bien faire corbillard cette voiture, clairement. Après, j'aime bien l'arrière, mais voilà, ça fait très. Mais comme je vous ai dit, hein, ça fait très très vaisseau, quoi. Donc, l'arrière est sympa. Moi, c'est surtout l'avant qui me gêne, quoi. Alors, pas l'avant au niveau de la calandre et tout ça, le capot, hein, c'est vraiment juste au niveau de la. Du pare-brise, je trouve ça. Je trouve que c'est modélisé d'une manière assez bizarre. Donc, voilà. Donc, ensuite, bah, on a des jantes. Hein. D'ailleurs, j'en ai pas trop parlé, mais on va en parler un peu plus. On a des jantes d'origine qui sont plutôt dans le style des véhicules de l'époque, hein, avec un flanc du pneu blanc. Voilà, bon. Elles sont sympas, hein, quand même, ces petites jantes. Elles sont sympas en alu. Voilà. Et puis, l'avant avec les trois pédales, hein, comme d'hab. Le compteur à l'ancienne. Voilà quoi, un volant à l'ancienne et puis un tableau de bord aussi à l'ancienne. De toute façon, tout à l'intérieur est à l'ancienne, hein, clairement. Voilà les amis, on a fait le tour de ce véhicule. On va maintenant aller le tester, mais alors là, faut pas s'attendre à un truc de dingue. Donc le test va être assez rapide, hein, je pense. Et puis on se donne rendez-vous au LS Custom pour voir un petit peu au niveau des customs ce que l'on peut en faire. Too close! Allez, on est devant le Los Santos Custom et je suis plutôt agréablement surpris par la conduite de ce véhicule qui est assez facile. Je pensais qu'avec son cul énorme, elle est tellement longue, je pensais qu'elle allait se balader dans tous les sens et elle est plutôt bien stabilisée en fait. Hein. Elle se balade pas trop, donc c'est un bon point pour ce véhicule honnêtement. Bref, allez, on est parti donc, blindage. Voilà, finition carrosserie. Vous pouvez mettre donc les bandes chrome sur les côtés pour accompagner jusqu'à l'arrière, sur toute la ligne du véhicule. Avec les ailes chromées, voilà, vous pouvez faire comme ça, on va le mettre, c'est plutôt sympa. Frein de course, mais bon, ça ne sert pas à grand chose sur ces véhicules, mais bon. Alors, là on est au pare-choc, donc on a série couleur 1, couleur 2, pare-choc lisse et chromé, couleur 1, couleur 2. Ah oui, donc on peut mettre avec ou sans plaque. Bon alors, je vous préviens, hein, je vais pas faire l'easter egg de Ghostbuster. Je pense que suffisamment vous l'ont fait sur YouTube, je vais pas faire la même vidéo. Hein. On va partir sur autre chose. Ensuite, donc, pare-choc arrière. Ok. Allez. Moteur. Niveau 4. Échappement. Double. Double chromé, court chromé, ok. Ah oui, ça, oh, d'accord.
Latéral grand. Ah ouais, d'accord, c'est un délire. Chromé ici. Allez hop. Calandre. Couleur 1. Couleur 2. Chromé. Horizontal. Vertical. Agressif. Oh, elle est pas mal en agressif. Ok. Corne de brume. Corne de brume. Brume. Plus réflecteur. C'est des phares additionnels. A voir s'ils s'allument. Je pense pas. Ça a l'air d'être une image. On va les mettre pour voir. Mais j'en doute. Capot couleur 2, couleur 1, rainuré, chromé, ok, ah d'accord. Central. Ah ouais, c'est un délire. J'aurais pas pensé là-dessus. Ah! D'accord. On va voir si les yeux s'allument là. Ça serait ouf quand même. Allez, on va le mettre, c'est un délire. De toute façon, on est là pour essayer, hein. On n'est pas là pour faire une custom de dingue. Bah tiens, un brancard, un cercueil. Bah vous voyez, je le savais même pas. Je le savais même pas, mais en même temps, la taille est tellement énorme. Bon, on va y mettre le cercueil, du coup. On va mettre le cercueil, j'ai la tête de mort devant. Éclairage, phare. Hop. Néon, c'est pas la peine là-dessus. Motif, on verra à la fin. Rétroviseur. Couleur 1. Ok, donc carré chromé. Après, on a des ronds. Les classiques. Ah, j'aime pas comme ça. À la limite, ces petits classiques là, ils sont sympas. Plaque. On va partir sur du blanc. Peinture, on verra après. On va finir le reste d'abord. Accessoire de toit. Gyrophare. Ok. Double gyrophare. À l'arrière, à l'avant, du coup. Éclairage d'urgence. À l'avant et à l'arrière. Éclairage d'urgence plus gyrophare. Ah ouais, c'est un délire. Écoutez, on va y mettre, hein, comme ça on va voir si on peut s'en servir. Parce que c'est bien de mettre des trucs comme ça, mais est-ce que ça peut s'allumer? C'est ça aussi. Galerie. Petite galerie, ok, galerie moyenne. Planche de surf. Ça, ça irait pas trop avec le délire. Hop. Ah d'accord. Toit surélevé. Ouais, ça va bien avec le reste du coup. Mais ça devient un peu chelou. Cette voiture va être vraiment what the fuck. Suspension. Là, vous pouvez la rabaisser à fond. Puis on va juste la rabaisser un peu. Transmission de course. Turbo. Avec. Type de roue. On verra après. Vitre. On va mettre comme ça. Comme ça, on voit un peu le cercueil. Type de roue. On va aller sur du muscle car, hein, c'est une muscle donc. On va partir sur celle-ci. Couleur, on va laisser non pour le moment. Apparence des pneus. Là, vous pouvez mettre le radial. Amélioration des pneus. Ouais. Fumer, on s'en fout. Donc, j'ai changé la couleur juste pour les motifs parce que sinon on voit pas bien. Donc on a motif abstrait simple mauve. Donc c'est que sur l'aile avant, sur les ailes avant et sur le capot. On a pareil mais en bleu clair. Voilà. Après vous avez les flammes à bord blanc. Voilà, plutôt sympa. Avec encore un petit motif sur le capot. Vous avez pareil mais en blanche agressive. Ok. Ligne blanche acérée, on est plus sur des trucs en mode lowrider. Hein. Voilà. Ligne rouge acérée. Avec un petit peu sur l'arrière aussi, sur la malle arrière. Calaveras. Ok. Sympa, mais sans plus. San Andreas Mission Rouille.
Ancienne ambulance, hein. Voilà, c'est écrit ambulance. What the fuck? Arch Souls. Ok. On est sur un truc très... Ouais, c'est pour ça que je vous dis que ça sera pour Halloween, hein, parce qu'on est vraiment sur un thème Halloween quand même, hein, que ce soit sur les customs ou même les motifs. Et Love Fist. C'est sympa le Love Fist avec les éclairs et tout. Hein. On va partir sur celui-ci. Peinture principale. Donc après on peut choisir la couleur principale du véhicule, mais je pense qu'on va rester sur du blanc. Donc c'est une ambulance. Je vous montre juste un peu toutes les couleurs. Voilà, comme ça. Couleurs secondaires. Du coup, les couleurs secondaires, je crois que j'en... Ah si, c'est l'arrière. Vous voyez, vous pouvez faire l'arrière. Comme dans Ghostbusters, en fait. Là, mettre les ailettes en rouge. On va les mettre, d'ailleurs. Ça ira bien avec le motif. Couleur finition, bah je pense qu'on va laisser noir. Voilà. Donc voici le motif qu'on pourra gagner via l'event de ce nouvel Halloween 2023 qui sera dispo, je pense, à partir d'octobre. Voire mi-octobre. Donc bah, l'event, comme je vous ai dit, je vous en parlerai dès demain. Et donc on pourra via cet event ensuite débloquer le motif pour cette Albany Brigham, voilà, qui est un petit clin d'œil à Ghostbusters, hein, voilà. Même si c'est pas exactement pareil, hein, en vrai, parce que bah, c'est pas de la même couleur et que normalement on a un fantôme avec un cercle rouge et une barre au milieu, donc c'est pas exactement pareil, mais voilà, c'est un petit clin d'œil quand même. Ghost Exposed, voilà, on est clairement dans le petit clin d'œil. Voilà les Breakers pour la présentation et maintenant la custom de cette Albany Brigham. Bah écoutez, c'est plutôt un véhicule sympa à custom. Vous avez vu, en plus il y a... Je sais pas si je vais vous le montrer là avant ou après, mais elle a un klaxon un peu spécial. Je pense que c'est avec les cornes de brume qu'on ira rajouter. Alors on a la tête de mort qui s'éclaire, mais pas les gyrophares, j'ai pas réussi à les allumer. Alors peut-être qu'on pourra en online, mais j'en doute, c'est bizarre. C'est ce qui est un petit peu dommage, ils mettent des trucs qu'on peut pas allumer, c'est un peu con quand même. Donc voilà, après côté custom, bah écoutez, c'est plutôt sympa, c'est pas un truc de dingue non plus. Mais voilà, vous pouvez la faire de différents styles. Après ça sera à vous de voir, pour ceux que ça intéresse, évidemment ce véhicule. Comment vous voulez la faire? Je pense que beaucoup vont la refaire à la Ghostbusters. Mais voilà, il y a différents styles à faire, vous pouvez la faire aussi clairement urbaine, tout simplement. Hein. Là, j'ai fait un peu un style what the fuck, mais... voilà quoi. Après je vais pas m'étendre sur le sujet au niveau de la custom parce que c'est clairement pas des véhicules où on attend énormément de custom quoi. Donc maintenant on va aller tester rapidement cette voiture et puis on se retrouve à la base militaire pour la tester en vitesse de pointe, voir un petit peu ce que ça donne, même s'il faut pas s'attendre à grand chose là non plus.
Eh bien écoutez les amis, plutôt étonné hein, par la qualité de conduite de ce véhicule. Bon freinage, bonne tenue de route même sur pluie. Je pensais qu'avec la longueur et son poids se fera emporter au niveau du freinage. Donc même dans les virages, l'arrière l'emporterait sur l'avant, mais pas tant que ça en vrai. Hein, elle est plutôt bien équilibrée, hein, même au niveau du freinage, même. Non franchement ça va. Alors évidemment j'ai oublié de vous le dire mais c'est une muscle car, donc la voiture cabre. Voilà, vous pouvez la faire cabrer. Voilà. Alors je sais pas si vous l'avez vu aussi, mais la tête de mort quand on accélère, la mâchoire se retire. Voilà. Ça fait penser un peu à Alien limite, avec la mâchoire qui se rétracte et qui ressort comme ça. C'est plutôt sympa. Donc la tête de mort, elle, par contre, s'allume. Hein. Voilà. Mais par contre, les gyrophares, bah. J'ai essayé d'appuyer plusieurs fois sur d'autres boutons, mais... Non, non, ça s'allume pas. C'est un petit peu dommage, mais bon. Allez, on va la tester vite fait en vitesse de pointe. On va se mettre en vue intérieure après. C'est parti. Et en vrai, elle avance aussi pas mal quand même, hein, pour un gabarit comme celle-ci. Passe les 100 mph, ce qui est plutôt pas mal hein, pour ce style de voiture. Voilà, bah écoutez, c'est une voiture sympa. Après, bon, moi je suis pas spécialement fan, mais j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à dire ce que vous en pensez en commentaire, à lâcher le pouce du soutien. Pourquoi pas vous abonner en activant la cloche de notification pour pas rater les prochaines vidéos, présentations custom et tests en avant-première, puisqu'il y en a d'autres qui vont arriver. Hein. Il reste encore quelques véhicules à vous présenter. En tout cas, merci à tous pour votre soutien. N'hésitez pas à me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et Discord. Tous les liens sont dans la description. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos sur la chaîne TGS Roadster Club. Encore merci à tous. Et surtout, n'hésitez pas à aller voir les autres vidéos, présentations, custom et tests en avant-première qui sont déjà disponibles. Pour l'inductor, donc le vélo. Pour la penaud, la coureuse qui est juste ici. Et puis, bon, bah, la... Fallo EVX, mais elle qui est déjà disponible. Voilà, si vous voulez les vidéos présentations custom, elles sont déjà disponibles sur la chaîne dans la même playlist. Merci à tous et à très vite. Ciao.